vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo, c'est Dylan Technologies. Et du coup aujourd'hui on teste le mode partie royale. Et ouais les amis, ça y est, un nouveau mode a été lancé depuis hier. Alors il était dans les leaks du jeu pour la saison 3. Au final il est venu beaucoup plus tôt que prévu. Et du coup on va tester un petit peu ce que c'est ce nouveau mode, hein, clairement. Un nouveau petit mode. Oh, j'ai une fléchette, ok. J'ai une fléchette. Alors en gros, pour vous présenter un petit peu le mode, tout simplement, alors voilà. Vous allez avoir donc une map où du coup vous avez là la place, le grand écran et une scène principale. Donc c'est une espèce de scène où il y aura plein de mini concerts avec plein de musique et des mods qu'elles soient vieilles ou pas d'ailleurs, qu'il y a dans la boutique, etc. Des petits concerts, des petites musiques, etc. En fait le but de cette map, vous n'aurez pas d'armes, d'accord. Vous pourrez vous changer sur place si vous voulez, changer le style de votre skin. Ça vous pourrez depuis une cabine, on va essayer d'en choper une pour vous montrer. Et puis voilà. Sinon, du coup, qu'est-ce qu'il y aura? En gros, qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus? Tout ce que vous voyez là en violet, ce sont des épreuves. Des épreuves soit en parachute, etc., etc. D'accord? Ensuite, vous avez les courses ici. Vous avez donc, vous pouvez faire les courses directement avec les quads. Les quads sont revenus là-dessus. Donc, on voit qu'il y a aussi le bateau, etc., qui est tout en haut et tout ça. Il y a plein de choses. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Vous avez un terrain de foot où vous pouvez carrément jouer au foot avec d'autres gens. Donc, vous voyez, ils ont ressorti ça. Ah, et bien, là, il y a une cabine. Donc on va aller tester cette fameuse cabine. Donc du coup pour se changer on va voir. Donc il n'y aura pas d'armes, ici on s'amuse uniquement. C'est juste la seule chose, c'est s'amuser. Donc là vous voyez on peut changer directement tous les styles, etc. Voilà, ça peut être sympathique, hein. Et puis voilà, ok, du coup alors du coup qu'est-ce qu'on a de plus? Déjà on peut aller voir qu'il y a des trucs là-bas. Donc là-bas il y a les petites... Il y a ce qu'il faut pour prendre du matos, etc. Hop, je vais en prendre plusieurs parce que... Ouais, il n'y en a qu'un seul, je m'en doutais. Je m'en doutais. Ça ira plus vite si j'en prends plein. Ok. On peut prendre ça aussi. Ok. Ah oh, bah d'accord, super. Super, super. Alors, du coup, les amis. Je vais vous montrer un petit peu la place. Après à quoi elle ressemble également. Alors nous on est ici, donc on va voir pour aller du coup directement à la scène principale. Allez hop. Ok nickel. Un maximum de likes, je compte sur vous la team. Un maximum de likes, donc on découvre tous ensemble. On découvre ensemble là. Je la découvre en même temps que vous l'île, hein, je vous le dis. Je découvre en même temps que vous cette fameuse petite île. J'ai pas avancé bien loin, hein. Mais bon bref. Ok, on y arrive. On y arrive, c'est ici, la fameuse île. Par contre, du coup, je crois qu'on n'entend rien. Il faut que je règle, faut que je remette le son, par contre. Parce qu'en fait, tout à l'heure, sur la place principale, il y avait un petit peu trop de son. Et c'était un petit peu trop dérangeant. Ok, voilà. Donc là, on a les fameuses musiques, etc. Non, franchement, c'est stylé, en vrai. Ah, je m'en souviens, c'était la... Non, en vrai c'est stylé. Vous voyez ce genre de petite partie, ça peut vraiment être sympa en vrai. Clairement ça peut être sympa. Ça peut vraiment être super sympa. Bon alors bien évidemment on va pas se le cacher. J'espère vraiment qu'ils vont mettre d'autres modes. Donc ils vont mettre d'autres mini-jeux, etc. En gros la map, j'ai un petit peu expliqué, elle est disposée de plein de mini-jeux en fait, tout simplement. Il y a plein de mini-jeux donc autour donc, de cette map, tout simplement. Donc j'espère vraiment qu'ils mettront plein d'autres mini-jeux, parce que c'est vrai que sinon ça pourrait être un petit peu compliqué quand même, hein. Je vais pas vous mentir. Donc là on arrive direct à l'entrée principale aussi. Ok, donc là on a une espèce de course de chronométrée, donc une mini-course chronométrée. On voit qu'il y a le bus là-bas et tout ça, c'est sympa. On va essayer d'aller directement on va essayer de faire des on va essayer de lancer des mini-jeux, ça pourrait être sympa. Excusez-moi. Alors du coup ah il y a même des trucs là. Ah oui, alors on va coller ici, lance peinture en gros, vous voyez, hop voilà. Du coup en fait on voit à quoi ça, on voit qu'on touche à chaque fois comme ça. Bah alors, tu sais plus, Dylan? Bah j'en ai pris.
Donc on ne meurt pas ici, il n'y a pas d'armes, etc. et tout ça comme je vous ai montré. Donc voilà un petit peu ce nouveau petit système qui est fort sympathique tout de même. Du coup, nous on va aller. On va essayer d'aller. Je sais pas, mais on va aller là, tiens. Ça va 100 mètres. Moi, ça va. En vrai, c'est pas loin. Hein. C'est pas loin. C'est pas trop loin. Ça va. Donc, du coup. Donc là, on voit qu'il y a le bus et tout. C'est sympa. C'est fort sympathique. Non, franchement, ça a l'air d'être pas mal, cette map. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ça va durer un mois, trois semaines, deux mois, etc. Vous pensez qu'ils vont le laisser ou vous pensez plutôt que les gens vont s'en lasser et tout à un moment donné? Parce qu'au début ça peut être vraiment sympa hein, de faire des petites games comme ça et tout. Mais le truc encore une fois c'est vraiment il faut absolument qu'ils mettent d'autres mini-jeux. Waouh. Ouais mais c'est pas évident de faire ça. Ah bah je l'ai mis. Lui je peux y arriver. Il y a un chronomètre aussi. Bon bah là c'est clair, j'ai perdu. Je vais me taper doucé. Je suis sûr que je vais me taper doucé. Il y a une table découverte partout. Voilà. Ouais, je me suis tapé doucé là. C'est... du B. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Tu m'étonnes que je me suis tapé du B. Tu m'étonnes. Je vais pleurer. Bon, ok. On va essayer de voir d'autres mini-jeux. Non, mais c'est, franchement, c'est sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Après, voilà. On n'a pas d'autres trucs. Parce que là, pour lancer le quad, il va falloir que vous le chopez au garage qui est... qu'il faudrait que j'essaie de vous montrer. Parce que là c'est pas gagné. On n'a pas de construit hein. On peut pas construire, on peut pas tuer, on peut rien, on peut pas faire de tout ça. On est là uniquement pour s'amuser. On s'amuse. C'est sympa hein, Fortnite qui sort des nouveaux petits modes comme ça, ça change. Et je vous avoue, sachant que la saison 3 a été repoussée, j'ai envie de vous dire heureusement qu'ils ont fait quelque chose. Parce que clairement, j'ai un quad, c'est parfait hein. Heureusement que la saison a été qu'ils ont lancé ce mode hein, parce que vu que la saison a été repoussée ça aurait été un petit peu chaud en attendant. Pour nous faire patienter ils ont mis ce mode là et franchement ça peut être sympa. Donc là on va essayer de lancer ça. Ok, alors ça commence déjà si je... quoi, j'ai perdu, dégoûté. Bon c'est pas grave, en gros du coup on peut faire des trucs de quad etc et tout blabla. J'allais dire en squad, n'importe quoi moi. On va essayer d'aller voir un petit peu ce que ça donne ce truc là. On va essayer de tester plein de petits mini-jeux pendant la game et puis voilà. En tout cas j'espère que ça vous plaît, franchement c'est sympa. Ah bah oui j'ai raté la cuite. Ah on meurt pas. Enfin on meurt pas, je veux dire le... faut expliquer comment j'y arrive. À part là. Ouais. Défi chronométré. Ok, go. Vous voyez, il y a plein de mini-jeux pour nous faire patienter un petit peu le temps, pour casser le temps, des trucs comme ça et tout. Et là, je vais même ramasser au moins un B ou un A quand même, non? A ou B? A, je t'en supplie. A. Non, ça peut être sympa. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs. J'ai mon colonne qui me parle à côté. Je vais pas réfléchir. Et du coup, là, on revient au truc. Non, c'est sympa. Ça, il peut avoir des trucs sympas. Franchement, il peut avoir des trucs sympas. Comme le bout de l'homme qui me parle de A ou B. Bon, bref, c'est des petits trucs sympathiques. Voilà, bah écoutez, je pense vous avoir fait un petit peu montrer tout ce qu'il y a. Voilà, non, franchement, ça peut être sympa. On voit qu'on peut prendre les éoliennes, etc. aussi. Il y a des trucs comme ça. Des éoliennes, ok. Ça va aller. Non, franchement, ça peut être sympa. Bon, après, on verra ce que ça donnera dans le temps du coup, mais bon.
pas trop à quoi il pourrait servir ce harpon. Enfin, c'est pas ce harpon, mais vous m'avez compris quoi. Vous m'avez compris. Non, franchement, c'est ça peut être sympa, mais bon. Dites-moi du coup ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà. Et il y a posé. Franchement, ça peut être sympa qu'avec les abonnés et tout, en live et tout ça, on se fasse des bonnes games ici. Ça peut être sympa en vrai. Hein. Bref, je vous laisse. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. La vidéo elle a peut-être duré un petit peu longtemps, mais au moins je vous ai fait un petit peu découvrir à peu près tout à quoi ça ressemble donc dans ce nouveau mode. Alors je vous ai pas montré, c'est vrai, le terrain de foot qui se situe ici, mais alors c'est très simple, le terrain de foot il est exactement pareil que celui à Pleasant Park par exemple, hein. Vous allez faire des parties de course avec des amis ou avec des gens que vous ne connaissez pas, voilà, tout simplement. Cours pas si vite toi. Oh, je l'ai loupé. Comment je peux le louper? Mais c'est une blague. Arrête de bouger! Arrête de bouger! Bref. Ben voilà. Bon allez, c'est fini les amis. Je vous laisse ici. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un bon petit like. N'oubliez pas de commenter, partager, abonnez-vous, activez bien les notifications. Et nous on se retrouve ce soir dans un nouveau live, dans de nouvelles vidéos très prochainement également. C'était Dylan Technologie. Salut tout le monde.